The Witcher 3 Wild Hunt Patch 4.0 épisode 106. Let's go. Let's fucking go. Vous rassemblez devant moi, affamé, terrifié, serrant votre marmaille contre vous. L'empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres. Assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la conjonction des sphères. Yennefer de Van Gerberg avait eu vent d'une explosion magique sur Skellige. La déflagration avait détruit une vaste étendue de forêt vierge et était en lien avec la disparition de Ciri. Geralt partit donc rejoindre la magicienne sur l'archipel afin de poursuivre l'enquête sur Ciri. Hélas, le druide Sakasori n'avait aucunement l'intention de laisser la magicienne examiner la forêt détruite. Geralt et Yennefer allaient voir le jarl Krach Ancret qui les aida à infléchir la résolution du druide. Vagabond. Gabon. Des empreintes de pas. Bon sang. Cet endroit est vraiment bizarre. Ceris,
évanouie. Je dois la sortir d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Oh, ma tête! Ça fait un mal de chien! Vous avez pris un sacré coup sur la tête. Geralt? Que faites-vous ici? Je suis venu vous chercher. Krar se fait un sang d'encre. Je vous ramène chez vous. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas aidé Udalric. L'épée. Où est l'épée? Je dois rentrer au plus vite. Calmez-vous. Vous devez reprendre des forces. Je viens de vous trouver là-dedans, à moitié morte. Je dois... Vous devez rester ici et m'expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-dedans? Je voulais aider Udalric. Il n'a plus toute sa tête, c'est vrai, mais je ne vois pas en quoi explorer une maison hantée pourrait l'aider. Si j'avais trouvé l'épée, ça l'aurait aidé. Pourquoi cette épée est-elle si importante? C'est Brogvar, l'épée ancestrale du clan Udalric. J'en ai besoin pour lever la malédiction qui pèse sur Udalric. Une malédiction? C'est une longue histoire. Il y a des années de ça, Udalric et son frère cadet se sont brouillés à cause de cette épée. D'après la tradition, l'épée du clan aurait dû revenir à Udalric, le fils aîné. Mais c'est à Aki, le cadet, que son père a légué Brogvar. Ah oui. C'est une grave insulte dans ce pays. Oui. Assez grave pour qu'Udalric brise une loi sacrée à Skellige. Il a osé remettre en cause la décision de son père. Le vieux Jarl ne pouvait pas laisser passer ça, je suppose. Ils ont enchaîné Udalric à un rocher en pleine mer, plongé dans l'eau jusqu'à la poitrine pendant 3 jours. Une fois son châtiment terminé, il est parti pêcher avec Aki. Rien de tel qu'une bonne sortie en mer pour effacer les différends. C'était ça l'idée? Une sortie en mer peut forger des liens forts. Mais pas cette fois-là. Aki est passé par-dessus bord pendant une tempête. Udalric étant empêtré dans les voiles, il est arrivé trop tard pour le sauver. Et qui dit qu'il n'a pas poussé son frère? Bien sûr, tout le monde a pensé la même chose. Mais personne n'a rien dit. Et vous, qu'en pensez-vous? Udalric aurait vraiment tué Aki? C'est impossible à dire. En revanche, qu'il soit responsable ou non, Udalric est aujourd'hui terriblement affecté par cette journée funeste. Et l'épée est peut-être la clé de toute cette affaire. Que comptez-vous faire de l'épée? Je me suis dit qu'elle pourrait apaiser l'esprit d'Aki. Le fantôme du frère? Oui, c'est vrai, j'ai oublié le plus important. Depuis sa naissance, les gens croient qu'Udalric est l'élu des dieux, que ces derniers lui parlent. Pendant longtemps, je l'ai cru moi aussi. Mais maintenant, plus j'y réfléchis et plus je pense qu'il est hanté. Et que c'est son frère qui le hante. Intéressant. Mais ce genre d'idée ne fait pas de vous une hérétique? Ça m'est égal. Je ne crois pas que les dieux lui parlent. Vous l'avez vu? Il est couvert de cicatrices. Je croyais que c'était des blessures de guerre. Oui, la guerre qui ravage son cœur et son esprit. Je lui en ai parlé, vous savez. Il m'a dit que les dieux lui ordonnent de se mutiler pour éprouver sa foi. J'ai des doutes. Je pense plutôt que c'est Aki. Vous croyez que Aki veut se venger? Parce qu'Udalric l'a laissé mourir? J'ai parlé à Yort. Il jure qu'Udalric n'entendait pas de voix avant la mort d'Aki. Je ne pense pas qu'il se trompe. Il connaissait les deux garçons depuis qu'ils étaient tout petits. À mon avis, si on rend l'épée à Aki, il cessera de hanter Udalric. C'est une bonne idée, à condition d'avoir vraiment affaire à un fantôme. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Quoi donc? Si Aki est mort en mer, pourquoi son fantôme viendrait hanter cette maison? Aki et Udalric ont vécu ici. C'est peut-être pour ça. Bien. Merci de votre aide, Geralt, mais je dois retrouver l'épée. Pas question.
Je vais m'en occuper. Vraiment ? Merci. Je vais retourner voir Udalric. Vous tenez à peine debout. Restez ici et reposez-vous. Nous irons voir Udalric ensemble à mon retour. Simon P. Joyeux Noël. T'as mangé bien gras ou quoi? Noyeux Joël. HP. HPCM. L'estomac a clairement dépassé la capacité. Déglingage de ventre. Bon après c'est une fois dans l'année quoi, c'est pas... ça va. Cassage de ventre bordel. J'ai trois autres événements. Ah ouais putain. Ouais bon bah c'est pas... c'est répétitif. Bon bah c'est 4 fois dans l'année. 4 fois dans l'année. Non je l'ai ramassé en vrai. Ouais t'as maté le... les reportages d'Arte ils sont bien. Il y en a un sur le sucre aussi là. Il faut que je regarde. Un alors, sur le sucre et un sur l'industrie. Le problème d'obésité trouvé. Aux États-Unis là. Dans ce cas, après vous. Favorisé par le gouvernement et les... vous étiez amis, il me semble. J'espère. Et les industriels, ouais. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez brouillé. Je ne sais plus bien pourquoi. Vous parlez de cette histoire avec Yennefer ? Ouais, c'est vrai, ils leur font de la pub en vrai, là, dans le reportage, un peu. C'était avant que Krar ne rencontre votre mère. Mais Yennefer et vous, vous vous connaissiez déjà ? Les choses n'ont jamais été très simples avec Yen. Qu'est-elle de spécial ? Qu'est-ce qui vous attire chez elle ? Leur font de la pub. C'est peut-être parce que je n'ai jamais choisi la facilité, le calme et la tranquillité. J'ai déjà vu des Verial craquer les bulles électroniques qui affichent les chiffres sur les premières horloges. Ah ouais, je vois. Ouais, c'est sûr, hein, c'est un savoir-faire ancestral. Je fais pareil dans les ballons de baudruche, moi. C'est pas le même art. Aux amis, on montre notre cœur. Aux ennemis, notre hache. Tâche de te le rappeler. Les ballons de baudruche ? C'est les ballons que tu gonfles, là, tu sais, en plastique. Tu gonfles avec la bouche, là. Un impérial se risquerait jusqu'à Skellige.
ça, c'est un homme. T'as jamais vu ou quoi? Ou à l'hélium, tu veux qu'il les envoie dans le ciel avec un une lettre accrochée au bout. Alors, où est Yennefer? Je l'ignore. Pourquoi? Ils t'ont jamais fait faire ça à l'école? Pourquoi elle vous a laissé venir ici tout seul? Comment ça, laisser venir? Les nations modernes et écologiques qui nous faisaient faire ça en primaire. Je ne veux pas vous savoir trop loin d'elle. Regardez, les voilà. Gonfler des ballons de baudruche, on mettait un mot avec une adresse et puis... C'est trop clair. La lumière me brûle les yeux. Avec un peu de chance, la personne qui recevait le ballon, elle répondait. Du coup, on a dû répandre une tonne de plastique dans la nature. Vous n'avez pas oublié. C'est incroyable. Je viens dans ma chambre avec un grand temps écrit. T'es pas dégonflé depuis. Hein, ça rigole zéro, bordel. Qu'est-il arrivé à votre main? Je l'ai sacrifié au dieu. Ne lui en voulez pas, Jarl. Geralt connaît mal nos traditions. Les dieux occupent une place centrale dans la vie des habitants de Skellige. Et nos offrandes sont en conséquence. À nos yeux, la souffrance représente le sacrifice ultime qu'un homme puisse faire pour les dieux. Les ballons de baudruche. Entendre les dieux est une bénédiction, pas un sacrifice. Ces voix que vous entendez. Les voix des dieux, oui. Ce ne sont pas les dieux. Mesurez vos paroles, étrangers. Ici, sur Skellige, nous honorons les dieux, si vous n'étiez pas l'hôte d'un crête. Le sorceleur ne pensait pas à mal, Jarl. Vous devriez peut-être écouter ce qu'il a à dire. Les voix ont sans doute un rapport avec la mort de votre frère. J'ai parlé d'Aki à Geralt. Nous en avons conclu que... Les dieux sont peut-être en colère, mais c'est sa mort qui vous ronge. Pour trouver la paix, vous devez obtenir son pardon. Je ne voulais pas. À qui est tombé à l'eau? Les dieux seront mécontents. Laissez-moi vous aider. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas contrarier les dieux. Suivez les conseils du sorceleur, Jarl. Demandez pardon à Aki pour apaiser les dieux. Qu'attendez-vous de moi? À quel endroit Aki est-il tombé à l'eau? Près de la pointe est de l'île, à l'entrée de la baie. Le courant nous avait poussés vers l'aiguillon d'Ulula. C'est un endroit dangereux. Les courants sont traîtres et ont entraîné plus d'un marin à sa perte. Il va s'enlever un œil. Le fantôme d'Aki ne trouvera pas le repos tant que Brokvar ne lui sera pas rendu. Non. 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 Les dieux, ils seront furieux. Je le sens. N'ayez crainte, Jarl. Les dieux vous aiment, tout comme ils aimaient Aki. Tout ceci est leur volonté. Je pense pouvoir y aller. Après tout, ce n'est pas nécessairement à vous de lui remettre l'épée. Non. Non. Je dois pouvoir l'identifier avec certitude. À qui avait-il un signe distinctif? Un vêtement? Un bijou qui aurait pu survivre à un long séjour dans l'eau? Oui. L'anneau de notre clan. Bien. Ça devrait. Les dieux me disent que je devrais aller me libron. Il est... Il est quelle heure, là? Du continent viennent faire les beaux et après faut évacuer leur... 1h du mat. 1h34.
J'avoue. T'es en vacances de toute façon là. Ah, tu t'en bats les couilles en vrai. T'as peur de te dérégler ou quoi? Ouais, de toute façon, ouais, j'avoue, si de toute façon, si t'as bien mangé, tu vois, digestion, machin, j'avoue que ça fatigue, hein. En vrai, t'es en train de... Tu sens la fatigue, là, parce que tu rattrapes, en vrai, tout le... tu rattrapes tout ce que t'as encaissé toute l'année, là. Défendu. Tu vas te mettre un petit film ou quoi? J'étais sur Wiflix, j'ai rien vu. Je crois que l'industrie du cinéma aussi, ils sont... Ils ont l'air d'être finito. J'ai dormi toute la journée quand j'étais pas en stream. Ouais, t'étais, bah c'est ça, tu rattrapes, tu vois. Là, t'as la pression, là, tu décompresses en vrai. Ça doit être ici. T'as maté le Seigneur des Anneaux ou quoi? Ouais, sur Wiflix là. Moi aussi hein, c'est Wiflix, c'est Torrent de la Rivière. Wiflix un studio là. Il y a mercredi qui est génial si tu l'as pas maté. La famille Adams. C'est la famille Adams en vrai mercredi. Là, faut que je le place ici. Ah ouais, faut que je place son corps au fond de la mer, quoi. Je suis pas sûr que cela ait servi à grand chose. Il est temps de rendre visite à Udala. Ouais, tu peux regarder ça, dis-moi. Mais moi au début je fais c'est quoi le nom de cette série en vrai mercredi. En vrai c'est le nom de la gamine, elle s'appelle mercredi. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé mercredi. Parce que même en anglais Wednesday. Même en anglais c'est nul comme prénom non Wednesday. Wednesday. Quoi qu'il coupe les syllabes. Wednesday. Wednesday, Wednesday. Nous servons celle qui est la vieille. Ah. Lui apparemment il vit sa meilleure vie là. Il a fait encore. Je n'ai jamais vu un homme aussi brave. C'est un cri de plaisir apparemment. Extase. Avez-vous fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Udalric, les voix lui ont demandé de s'arracher un œil. Quoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Telle est la volonté des dieux.
un sacrifice pour Aki. Ah bah voilà. Quand avez-vous entendu les dieux? Juste après mon départ? Oui. J'ai senti venir la fatigue et je me suis allongé. Les dieux m'ont alors révélé leur volonté. Ils vous parlent dans votre sommeil? Oui, toujours. Que voyez-vous? Ils vous apparaissent à un endroit précis? Mon ancienne maison. Ils me demandent d'allumer des torches, puis me parlent depuis les ombres. Les dieux, que voulaient-ils exactement? Vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont dit? Ils étaient en colère. Ils m'ont dit « Misérable vermine, ton frère est mort par ta faute et tu n'as pas osé lui demander toi-même pardon. Arrache-toi un œil et dans ta souffrance, regrette tout le mal que tu as fait. » Avez-vous vu les dieux distinctement ou bien restent-ils toujours dans l'ombre? Une nuit, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai rêvé que ma torche brûlait plus fort que jamais. Alors, j'ai pu distinguer une forme floue dans les ténèbres. Vous dites que les dieux vous parlent depuis les ombres. Est-ce pour cela que vous avez banni toute lumière ici? Dans mes rêves, j'aperçois parfois leur silhouette. Quand les torches brûlent haut. Voir les dieux est un grand honneur. En éclairant votre demeure, vous pourriez peut-être les apercevoir ailleurs qu'en rêve. Les simples mortels sont indignes de contempler leur visage. Est-ce que les dieux exigent toujours de vous voir souffrir? C'est le seul moyen de les apaiser. Mais ils en demandent toujours plus. Bah les dieux, c'est un démon, mon gars. Ça, il l'a aperçu, Geralt, dans l'ombre. J'ai remis l'épée à Aki, mais rien n'a changé. Ce n'est pas le fantôme de son frère qui le hante. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux vous parler en privé. Passons dans l'autre pièce. Allez-y. Je vous écoute. Il s'agit d'un blême. Une créature issue de la conjonction. Aussi rare que dangereuse. Elle s'attaque aux hommes coupables de graves méfaits. Le blême se nourrit de leur souffrance pendant des années et attise leur culpabilité. En vrai, je crois que son frère, il est mort à cause de lui. Tim a se mutilé. Et du coup, le démon exploite ça en vrai. Je connais deux méthodes. Pour le posséder et lui faire faire n'importe quoi. Il est peut-être possible de duper un blême. Il faut faire semblant de commettre un acte affreux pour l'inciter à se jeter sur vous et vous choisir comme nouvelle victime. Si le blême comprend qu'il a été trompé, il sera obligé de partir. C'est parfait. Faisons-le. À ma connaissance, personne n'a jamais réussi. Oui, mais personne n'a encore trouvé la bonne ruse, c'est tout. Et l'autre méthode? Les bestiaires des sorceleurs disent qu'il faut passer une nuit dans l'antre du blême, avec l'individu affecté. La maison hantée? C'est un peu rustique, mais vous avez certainement déjà dormi dans des endroits moins confortables. Il ne s'agit pas de dormir. Il faut faire sortir le blême des ombres, l'obliger à se montrer. C'est le seul moyen de le blesser. Je vois. Et il rendra coup pour coup, évidemment. Vous avez vu Udalric. Le combat sera difficile. Je crois vraiment qu'on devrait au moins essayer la ruse avant de recourir à la force. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et chaque méthode a ses inconvénients. Comment ça? Passer toute la nuit dans l'antre du blême pourrait être fatal à Udalric. Vous croyez que le blême pourrait s'en prendre à Udalric? Non. Il ne prendrait pas le risque de perdre sa proie. Mais Udalric est très affaibli.
et la maison fera remonter des souvenirs douloureux. Pour le blême, ce sera un véritable festin d'émotions. Plus Dalric souffrira, plus le blême sera puissant. Et plus il sera dangereux pour vous. Qu'en est-il de l'autre méthode ? Le blême est un démon. Il est donc difficile à berner. Sans compter que celui qui le trompe doit être convaincu de son méfait. Quoi ? Le blême s'en prend uniquement aux personnes rongées par le remords ou persuadées d'avoir commis un crime. Il décuple leur culpabilité et s'en nourrit. En clair, si le trompeur ne ressent aucun vrai remords, le blême s'en rendra compte. Je vois. Exactement. Les deux méthodes sont risquées. Mais je penche plutôt pour la ruse. À vrai dire, j'ai des doutes. Ne me dites pas que vous avez besoin de poser la question à Yennefer. Dans le pire des cas, nous pourrons toujours employer la manière forte. Très bien. Va pour la ruse. Bonne décision. Le seul endroit où cela a une chance de marcher, c'est dans la tanière du blême. La maison hantée. Dans ce cas, après vous. Ne perdons pas de temps. Bonne 5. Encore 2 levels et je peux faire... Je peux améliorer l'armure de l'école du chat en supérieur. Ensuite il restera maître, grand maître, légendaire de grand maître. C'est du solide. On ne fait plus les mêmes sur le continent. Ciri ! Non, c'est impossible. Non, non. Vous essayez de me décourager. Tant mieux, c'est que vous avez peur. Le miroir est brisé. Udalric a peut-être eu peur de voir la créature dans son dos. L'aime lui-même, mon gars. Un vieux berceau. Sans doute celui du Dalric ou d'Aki. Gérald, venez. Je crois que j'ai une idée. Ah, elle a une idée. La cerise sur le gâteau. Vous avez quelque chose ? Oui, j'ai un plan. Je crois que ça devrait marcher. Je peux en savoir plus ? Non, incroyable. Attendez-moi ici. J'en ai pas pour longtemps. Oui. Mais encore. Vous l'avez dit vous-même. Moins vous en saurez. Moi aussi, je parle le putain d'idée. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oui. Bon, on peut commencer ? Oui. Je suis prêt. Là-bas, elle va vers la vieille maison. Attrapez-la. Prenez-le. Mettez-le dans le four, vite. Faites-moi confiance. Ne faites pas de mal à l'enfant. Donnez-le-moi. Le four, jetez-le dans le four.
Allez, je le crame sans pitié. Voilà, il n'y a plus de malédiction maintenant. J'ai glissé. C'est Gérald qui se sent qui culpabilise. Du coup, le blâme vient sur lui. Un espèce de moustique ou de cousin là sur le. Je l'ai vu voler. Dommage que j'ai pas une claquette. Aucun crime. Vous ne trouverez que soulagement ici. Pas de désespoir. Vous avez été trompé. Partez. C'est fini. Fini ? Nous avons dupé le blême. Pensant que j'avais tué votre enfant, il vous a abandonné pour me hanter moi, se repaître de ma conscience. Mais quand il a vu que le bébé n'avait rien, il a dû partir. Vous êtes libre, Jarl. Libre ? Le blême est parti, et avec lui les voix qui vous hantaient. Fichons le camp d'ici. Que m'arrive-t-il ? J'ai la tête qui tourne, comme dans un tourbillon. Gérald, vous disiez que c'était fini. Ce n'est rien, il est épuisé, c'est tout. Laissez-lui un peu de temps. Que vais-je faire, à présent ? Vous êtes un peu désorienté, mais ça va passer. J'ai l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi-même. Oui, c'est normal. Le blême est un parasite, il crée un lien très fort avec son hôte. Sa disparition a laissé un vide en vous. D'ici quelques jours ou quelques semaines, vous irez mieux. Merci. Je crois... Adieu. Crise cardiaque. Il est très perturbé. Je vais rentrer avec lui. Bonne idée. Et ensuite, que comptez-vous faire ? Je vais rester quelques jours pour m'assurer que tout va bien. Et vous ? Vous restez à Spikrug ? Je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. Yennefer doit commencer à s'impatienter. Vous avez un problème avec Yennefer ? Ce n'est pas la première fois qu'elle revient sur le tapis. Non, rien. Vous êtes juste souvent... Même avis qu'elle, c'est tout. Vous pensez qu'elle me mène par le bout du nez ? Ce n'est pas surprenant. Vous êtes un homme comme les autres, après tout. Que vous soyez elle le mène par le bout de la queue. Chevalier ou sorceleur, vous êtes tous les mêmes devant une jolie femme. Pas pareil. Mais je dois quand même admettre que vous n'avez pas que de mauvais côtés. Vous m'avez fait confiance alors qu'on se connaît à peine. Je ne connais pas grand monde qui aurait eu ce courage. Surtout, n'allez pas le répéter, je ne voudrais pas qu'on pense que j'aime être dominé. Au revoir, Gérald. Au revoir, Céris. Incroyable, ce Gérald.
Faites votre rapport à Crash Gambit Royale. Allez, Gambit. La bite royale. Je sais même plus c'est quoi un Gambit. C'est un jeu de poker, non? Chaque fois que je vais boire un café chaud, je vais avoir envie de me moucher ou quoi. Genre juste la chaleur du café, ça change la température, du coup je me mouche. Gambit. Ah oui, c'est des mutants de X-Men. Tous les X-Men, les X-Girls, les X-1, la génération X. Maître Gérald, un garde vous a vu depuis la tour et on m'a envoyé vous ouvrir la porte. La porte était fermée. Est devenue la fameuse. Synonyme de gambling. Ah ouais, au mise, d'accord. Après le banquet, les portes doivent rester fermées tant que les Jarls n'ont pas choisi un nouveau souverain. Seuls les fils et les filles de Skellige peuvent rester dans le château. Je peux revenir plus tard si vous voulez. Nulissine ignore ce que vous avez fait pour Ceris et Hjalmar. Aujourd'hui, vous êtes l'un des nôtres. Venez, Krar vous attend. Comment ça se passe là-dedans? C'est calme. Ah, on vous attend. Trop calme. Comment ça? Nous avons un dicton, Eskelige. À bon banquet, hydromel et sang doivent couler à flot. Ah bon? Vous devez trouver nos coutumes bien barbares, non? Pas vraiment, non. C'est toujours mieux qu'un banquet où tout le monde s'observe du coin de l'œil et intrigue à voix basse. C'est des sanguins, bordel. J'ai plus de prétention au trône que toi, ne l'oublie pas. Tu devrais me soutenir au lieu de me voler mes alliés. La couronne doit revenir à un Ancrete, et... Et quoi? C'est toi le mieux placé, il s'invite à un banquet. Parce que tu as plus de barbe que moi. 2 grammes dans chaque veine. Un peu de poil au il mange. Les Jarls et ensuite, ils se mettent des grands coups de poing dans la gueule. N'oublie pas que la dernière fois, c'est toi qui as fini le terre. Incroyable coutume. Trois tailles à affronter les Vilkarls. Je me demande qui s'en sortira le mieux. Ceris ou Hjalmar, le tueur de géants. Pauvre crétin, si tu crois que tu m'impressionnes. Ceris. La situation t'échappe un peu, j'ai l'impression. Inutile de retourner le couteau dans la plaie. Mais bon sang, elle est tellement... Têtue, bornée, obstinée, incapable d'écouter les autres. Oui, c'est ça. C'est vrai, Arnvald, c'est vrai. Ceris et moi, nous avons bien le même caractère. Je ne vois pas Krar. Il est avec les Jarls? Non, dans ses appartements. En fait, je crois qu'il prépare votre récompense. Que dirais-tu d'un petit combat amical avec les Vilkarls à Sorceleur, histoire de dégourdir un peu après ton long voyage? Plus tard, peut-être. Pas mal ces épées. Magnifique. D'où viennent ces gobelets? Décrabouillés. Qui sera assez brave? Tu veux quoi, Blanche? Hjalmar, ça va? Patate de forain, bordel.
J'ai encore toutes mes dents? Ah, plus ou moins. Ils ne t'ont pas raté. Et ça te fait rire. Toi aussi, t'aurais passé un sale quart d'heure. J'en doute. Vraiment? Tu veux parier? Je te parie mon épée contre la tienne, que tu feras pas mieux que moi face aux Vilkarls. Qui sont les Vilkarls? Des sauvages qui vivent dans les collines. Des bergers? Ouais, mais sans les moutons. Ils vivent de la chasse. Et surtout, ils se battent comme des diables. Allez, coup de boule. D'accord. Ça tombe bien, je voulais justement une nouvelle épée. Ne vends pas ton poisson avant de l'avoir pêché, loup blanc. Il paraît que vous cherchez des adversaires. Des adversaires? Non, pas des adversaires. On cherche des victimes pour les réduire en bouillie. Ah, le bâtard. Avec plaisir. Je vais t'écrabouiller. Ah, c'est des gros morceaux de jambon. Hein. Déjà combattu un sorceleur? Tiens. Genou, mon gars. Il est énervé là. De sa vie. J'ai bien cru que son cerveau allait lui sortir par les oreilles. J'ai perdu mon pari, mais pour voir un tel spectacle, ça valait le coup. Tiens, j'espère que t'en feras bon usage. Allez, une épée gratuite. Il paraît que vous cherchez des adversaires. L'adieu prend j'aille m'enfiant car les voix du Seigneur sont impénétrables. Non, pas des adversaires. On cherche des victimes. Les voix du Seigneur sont impénétrables. J'avoue. Allons-y. Avec plaisir. TTS, bordel. Je vais t'écrabouiller. Allez. Mange deux. Le Viclard. Viclard Dollar. Suivant, bordel. Bon, je me suis bien échauffé. À qui le tour? Je vais m'occuper de ton cas. Je l'apprendrai de jamais. Allez, bim! Un coup de poing de Gérald et tous tes ancêtres ont mal au crâne instantanément. Tu m'aurais jamais battu si j'avais pas éclusé ton hydromel. Je suis prêt à me battre contre quelqu'un de sobre. Enfin, si c'est possible. Moi, j'ai encore. En plus, Gérald, il a genre.
plusieurs centaines d'années là. En vrai, dans la trilogie The Witcher, il est sur sa fin de vie, tu vois. C'est la fin de son... Putain, je peux pas avancer, c'est bugué. Tu vois, c'est bugué là. J'ai un mur invisible. Je vais t'étriper. Pas vrai. J'ai fait un petit alt-tab. Mur invisible. Cessez de jouer avec lui. Ouais, je vais pas perdre à cause de ça, quoi. Ta peau galeuse nourrira les mouettes. Hey, je peux pas le toucher, la putain de t'es mort. De Van Gerberg avait eu vent d'une explosion magique. J'ai plus qu'à recommencer. La déflagration avait détruit une vaste étendue de forêt vierge et était en lien avec la disparition de Ciri. Geralt partit donc rejoindre la magicienne sur l'archipel afin de poursuivre l'enquête sur Ciri. Hélas, le druide Sakasori n'avait aucunement l'intention de laisser la magicienne examiner la forêt détruite. Geralt et Yennefer allaient voir le Jarl Krark. La première fois que j'expérimente ce bug là. Je suis bien échauffé. À qui le tour ? Je vais m'occuper de ton cas.
Ben ça y est là. Tuez-le, estropiez-le, massacrez-le. Encore le bug. C'est pas vrai. Tu comptes me faire languir longtemps? Je vais m'occuper de toi. C'est la première fois que j'expérimente ce bug de merde là. Yennefer de Van Gerberg avait eu vent d'une explosion magique sur Skellige. La déflagration avait détruit une vaste étendue de forêt vierge et était en lien avec la disparition de Ciri. Geralt partit donc rejoindre la magicienne sur l'archipel afin de poursuivre l'enquête sur Ciri. Hélas, le druide Sakasori n'avait aucunement l'intention de laisser la magicienne examiner la forêt détruite. Geralt et Yennefer allaient voir le Jarl Krach Ankret qui les aida à infléchir la résolution du druide. Écrabouiller. Taillez-le en pièces. Déjà combattu un sorceleur? Allez, amène-toi. Maintenant, c'est le clic qui marche plus, quoi. Chauffé. À qui le tour? Je vais m'occuper de ton cas. Tuez-le, estropiez-le, massacrez-le. Alors, on a les foies? Tu m'aurais jamais battu. Il n'y a pas de solution quoi, faut juste avoir de la chatte. Je suis prêt à me battre contre quelqu'un de sobre. Enfin, si c'est possible. Moi, j'ai encore de la marge. Abracadabra. Abracadabra mon gars. Ok, d'accord, un bracadabra. Ouais. Erreur fatale. Putain, c'est bugué comme jamais là. Jamais.
peau galeuse nourrira les mouettes. Voilà. Tu te bats bien pour un gars du continent. Mais bon, j'ai réussi. Enfin, bordel. Putain. Vous ferez quoi ? Oui, sorceleur ? Quand il n'y aura plus ni basilic, ni les chênes, ni géants. Un sorceleur. Hors de ma vue. On chie les gros lards là. Pas mal. Vistache, ne jamais rouiller. Un sorceleur. On parlera plus tard. Pas mal, ces épées. Bonjour, Birna. Le banquet n'est pas à votre goût ? Vous appelez ça un banquet ? C'est une foire agricole, où les votes s'achètent et se vendent comme des moutons. Elle va loin, là, une foire agricole. Elle va loin, quand même. Le fils de Bran ne s'abaissera pas à quémander une couronne qui lui revient de droit. Autant que je sache, la couronne revient au prétendant qui recueille le plus de votes. C'est la tradition, oui. Mais c'est une mauvaise tradition. La destinée des îles devrait être confiée à une seule famille. J'imagine que vous avez une famille en tête. Bien sûr. Bran était le meilleur roi que Skellige ait connu depuis des siècles. Le trône devrait revenir à Svanrig, son fils aîné, puis à ses descendants. Elle veut faire une un truc par le sang. En quoi est-ce mal de voter Louis XIV. Pour son roi ? Tendez l'oreille, vous comprendrez. Titres, terres, privilèges. Les prétendants promettent monts et merveilles pour obtenir des votes. On dirait des catins soulevant leurs jupons pour racoler les passants. Un roi élu par ses pairs n'est pas un souverain. C'est un débiteur. C'est le fils aîné de Bran qui doit monter sur le trône. J'espère que les Jarls finiront par le comprendre. Vous quittez Kertrold ? Demain à l'aube. Amusez-vous bien, Maître Geralt. Vous permettez ? Et comment ? Venez, venez, je vous attendais. Le banquet vous plaît ? C'est mieux que vos petits bals continentaux, n'est-ce pas ? Au moins, on ne risque pas d'avoir soif. J'espère bien. J'ai vidé ma cave. Bière, hydromel, liqueur de prune saint-trasienne, eau de vie de Mahakam qui vous arrache le gosier. Le clan Ancret sait recevoir en beauté, qu'on se le dise. Quelque chose me dit que toute cette hospitalité n'est pas gratuite. Oui, c'est vrai. Dans les îles, le trône se gagne avec de la bière et de l'hydromel tout autant qu'avec des exploits guerriers. Dans ce cas, vous n'avez aucun souci à vous faire. J'arrêterai de me faire du souci quand la couronne reposera sur la tête d'un de mes enfants. Quelque chose me dit que... Oui, c'est vrai. Dans ce cas, vous n'avez aucun souci à vous... J'arrêterai de me faire... Vous ne vous sentez pas déchiré entre Hjalmar et Ceris ? Vous voulez savoir si j'ai un favori ? Non. Ceris et Hjalmar sont aussi différents que le feu et l'eau. Mais le sang des Ancret coule dans leurs veines. Vous pensez que le conseil des Jarls osera mettre une femme sur le trône ? Il y a quelques mois encore, cette question m'aurait fait hurler de rire. Mais aujourd'hui, je vois... Non. Tout le monde voit que Ceris possède une vertu plus rare qu'une brise d'été sur nos îles. La patience. Les autres agissent avant de réfléchir. Elle est différente. Elle prend le temps de réfléchir, pèse le pour et le contre. Mais une fois qu'elle passe à l'action, rien ni personne ne peut l'arrêter. De vous à moi, Hjalmar n'est-il pas trop impétueux pour être roi ? Tout dépend du type de roi que vous avez en tête. Si vous voulez un roi diplomate, prudent et calculateur, alors oui, Hjalmar est certainement trop impétueux. Mais Skellige a besoin d'un roi capable de noyer Nilfgaard dans le sang. D'un roi prêt à mourir plutôt qu'à se rendre. Hjalmar sera ce roi. Si vous intensifiez vos attaques, Ymir sera furieux.
Vous risquez de le regretter. Skellige pisse et crache sur l'idée même d'une paix infamante. Vous m'aviez promis une récompense, je crois. Oui, et je n'ai qu'une parole. Tenez, cette babiole est dans ma famille depuis des générations. Prenez-la, vous l'avez bien méritée. C'est superbe. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merde, je parie que Hjalmar a encore déclenché une bagarre. Non, ce n'est pas Hjalmar. Allons voir. C'est les gros lards là contre qui on s'est boxé là, qui se sont transformés en ours. Un bout de tissu, vite! Il saigne! Il a besoin d'un bandage! C'est des berserkers en vrai. Prends ma cape. Tiens le coup, fiston. Des berserkers, voilà. C'est comme ce jour où un requin m'a... Albjorn. Il est mort. Krar, d'où sortent ces ours, hein? Réponds-moi. Ne parle pas à mon père sur ce ton. Range ta lame, mon gars. Sinon, Krar va perdre un fils, lui aussi. Tu m'insultes, Lugos. Et tu menaces mon fils. C'est intolérable. Viens ici alors, approche. Je vais t'éventrer comme un chien. Calmez-vous, calmez-vous. Le sang a déjà assez coulé. Quelqu'un a fait entrer ces bêtes pour tuer nos fils et nos frères. Nous ne pouvons pas leur rendre la vie. Mais nous pouvons, nous devons les venger. Ce lourd fardeau revient à notre hôte et à ses enfants. Trouvez le coupable, Ankret. Trouvez-le et tuez-le. Sinon, votre clan sera maudit jusqu'à la fin des temps. Quelqu'un a vu les ours entrer? C'est sans importance. Je sais déjà qui est le coupable. Attends. Tu es fou. Tu es prêt à tuer sans la moindre preuve? Cherche des preuves si tu veux. Moi, je vais laver l'honneur de notre clan. Les Jarls sont partis, Hjalmar. Arrête de jouer au héros et réfléchis une seconde, tu veux? Je n'ai pas le temps, Soret. Notre honneur est en jeu. Tu veux bien m'écouter, oui? C'est un japonais, Hjalmar. C'est pas un viking. Savoir qui. Et la réponse se trouve certainement dans cette pièce. Je vais avec Hjalmar. Je ne sais pas où, mais j'y vais. Je savais que tu ne pourrais pas résister à l'appel de l'aventure. Je vais rester ici. Quelqu'un doit s'occuper des blessés et rendre les morts à leur famille. Merci, loup blanc. Partons pour Fornala. Au galop! Sa petite soirée est partie en couille, là. Le banquet s'est fait bouffer par trois ours. Bon, nous y sommes. Tu veux bien m'expliquer ce qu'on vient faire ici? Tu te souviens des hommes avec qui je me suis battu? Les Vilkards?
Tu as dû m'en parler à mon arrivée. Ceci est Fornala, leur village. Ce sont eux qui se sont changés en ours, exactement comme les berserkers des légendes. Je l'ai vu de mes propres yeux, mais je dois être le seul. Tout le monde avait Il s'était vanté de pouvoir descendre un fût de bière d'un seul trait. Il avait presque réussi, le pauvre. Qui sont ces Vilkarls, au juste? Ils n'appartiennent à aucun clan. Ils n'ont ni femme ni enfant. Comment se reproduisent-ils, alors? Ils bourgeonnent? Non, ceux qui souhaitent consacrer leur vie au combat peuvent les rejoindre. En été, ils chassent et ils pillent. En hiver, ils dorment avec les ours dans des cavernes. En tout cas, c'est ce qu'on raconte. Bourgeonne. J'ai l'impression que ce n'est pas qu'une rumeur. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit tout à l'heure? Tout le monde aurait commencé à poser des questions et à se disputer. Seuls les actes peuvent effacer la honte qui souille notre clan. Bon, et maintenant? C'est simple. Nous avons accueilli les Vilkarls sous notre toit, nous leur avons offert à boire et à manger, et ils ont versé notre sang. Ils doivent donc payer par le sang. On devrait en ramener au moins un vivant, pour le faire témoigner. Tu es sur Skellige ici, Sorceleur. Nous n'avons pas besoin d'un tribunal pour rendre la justice. D'accord. Je ne pense pas que quelqu'un ait pu se servir d'eux pour nous rouler. Dans ce cas, ils mourront pour leur stupidité. Trêve de bavardage. En route. C'est désert. Ils ont fui les lâches. C'est bizarre. Un japonais, Yalmara. Pas de courage. Examinons le village. Ils ne sont peut-être pas bien loin. Regarde là-bas. Ça m'a tout l'air d'un cadavre. Il faut l'examiner de plus près. C'est là ? Il n'y a qu'à suivre la piste. Des gants cloutés, couverts de sang séché. Ocre, poussière de charbon, pastel, des pigments pour les tatouages. Je vais leur en faire, moi, des tatouages. Une trappe sous le tapis. Très original. Vas-y, ouvre-la. L'air est saturé d'encens. Je crois que je vais vomir. J'ai l'impression que... Chut, j'ai entendu. Ça venait d'en dessous. Ah, enfin. Incroyable. J'ai lévité, mon gars. Tatoué, sucez-moi le fion pour le bras droit. Je crois qu'on a oublié un truc là. Chercher la mort? Non, la vengeance. Et des réponses? Pourquoi avez-vous attaqué Kertrold? Nous ne sommes pas venus au banquet pour tuer. Mais nous ne regrettons pas ce qui s'est passé là-bas. Dans un troupeau, les faibles doivent être éliminés pour laisser la place à ceux dont le sang est fort.
C'était ça, les cadavres que nous avons trouvés? Oui. Ceux qui veulent rejoindre le cercle de l'ours arrivent par groupe de 6. Mais nous n'en prenons que 3. Les faibles offrent leur vie en sacrifice pour que les forts puissent renaître. Du sang fort. Mais de quoi parlez-vous? Je parle d'une ours et de son ourson. Assez parlé. Oui, vous commencez à me fatiguer. Mort instantanée, mon gars. On plaisante pas avec Geralt. Bon, je crois qu'on ne tirera rien de lui. Les choses sont claires de toute façon. Le sang appelle le sang. C'est la mort instantanée qui approche. Et tu ne crois pas qu'il y a quelqu'un derrière tout ça? Quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre? Les Ankh-Kraith ont toujours eu des ennemis. Et ils ont tous subi le sort des Vilkards. Des voix. Il en reste d'autres. J'espère bien. Allons-y. Ah oui, lui, il veut éliminer tout le monde, lui. On est bien avec un samouraï. Bienvenue, la cool. Bordel, des champignons magiques. Calme-toi, ça geek ou quoi? Ça geek fort? J'ai relancé un petit run il y a quelques jours là. Et joyeux Noël, j'avoue. Happy Christmas. C'est dommage que j'ai pas de RTX, parce que je vois pas toutes les améliorations là qu'ils ont ajoutées. Mais genre il y a deux sets d'équipement là. Ils spoilent un peu la prochaine trilogie, c'est genre des sets d'équipement chinois, guerrier chinois, guerrier japonais là. Renard à 9 queues et les 1000 fleurs, un truc dans le genre. Je crois le nom du set. Il y a une nouvelle quête avec un nouveau set d'équipement de sorceleur. L'école du loup oubliée. Apparemment, c'est le tout premier set d'équipement des sorceleurs. Artis. Le culte de Svalblod est interdit depuis des générations, sous peine de mort. Quoi? Mais d'où venez... De Gertrold. Vous savez pourquoi nous sommes là, non? Oui.
pour une question de fierté et d'honneur. Une question qui ne te concerne pas, mutant. C'est vrai, ça ne me concerne pas. Kalmar, il est à toi. Je pourrais te saigner comme un porc, mais je vais te laisser une chance de mourir honorablement. Allez, défends-toi! Vous n'apprendrez donc jamais. Et abreuve-toi de sang. Fuck. Allez, crève-le, bordel. Tiens. Il l'a coupé en deux, mon gars. Je lui ai brûlé le fion là. En tout cas, ils n'ont pas peur de mourir. Une lettre. Les Vilkarls ne sont que des pions. Ce druide Artis devait devenir le conseiller du nouveau roi. Pas cher payé pour lâcher les Vilkarls sur tes invités et provoquer un vrai bain de sang. Elle est signée ? Non, elle est anonyme. T'avais raison. Quelqu'un elle a changé, non, la barbe de Geralt, là. Quelqu'un est responsable de toutes ces morts. Elle est noire, genre. Tu suspectes quelqu'un ? Ceux qui désirent la couronne sont nombreux. Et je n'en connais aucun prêt à tomber aussi bas pour l'obtenir. Qui que ce soit, il risque de frapper à nouveau. Et je serai sur mes gardes. Et maintenant ? Je vais raconter aux Jarls ce que nous avons trouvé ici. J'espère que ça suffira pour laver l'honneur de mon clan. Viens, nous n'avons plus rien à faire ici. Merci d'être passé, Simon. Good night, branleur. Ce sont eux qui nous ont attaqués. Les Vilkarls. Tu veux dire qu'ils se sont transformés en ours comme moi, il est 8h37 en vrai. C'est bien ça? Je les ai vus se transformer de mes propres yeux. Et pourquoi pas Freya chevauchant un sanglier sauvage tant qu'à faire? Tu n'as rien découvert comme ta sœur. Ça nous fait une belle jambe. Comme si on vivait à l'envers, quoi. Envoyez des hommes à Fornala, vous changerez d'avis. Oui, je connais ce village. Qu'y a-t-il de si intéressant là-bas ? Un temple, dédié à Svalblod. Continuez, Hjalmar. Que voulez-vous savoir de plus ? J'ai trouvé les traîtres et j'ai vengé notre clan, c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Les Vilkarls complotaient avec quelqu'un. J'ai trouvé une lettre qui le prouve. C'est très vague, et ça ne nous avance guère quant à l'identité du coupable. Ce n'est pas la raison de notre assemblée. Hjalmar, au nom de tous les Jarls, je déclare que vous avez lavé l'honneur de votre clan dans le sang de vos ennemis. Nous nous séparons en paix. Ainsi donc, c'est vrai. Des guerriers qui se transforment en ours. Je dirais plutôt que c'est le contraire. J'ai vu leur rituel de transformation. À côté, notre épreuve des herbes est une vraie partie de plaisir. Les Vilkarls ont été châtiés. Vous y avez veillé avec Hjalmar. Mais le véritable ennemi court toujours. Des heures sombres s'annoncent pour Skellige. Mais qu'importe, nous survivrons, quoi qu'il advienne. Encore une fois, merci à vous, Geralt. Encore une fois, de rien. L'heure n'est pas à la modestie. Skellige est une terre de héros. Acceptez ceci pour vous en souvenir. Et maintenant, je dois partir pour Gedinet, pour le conseil des Jarls. Il est temps d'élire un nouveau roi. Qui va l'emporter, d'après vous ? Accompagnez-moi si vous voulez. Nos délibérations sont publiques. Ok. Mes poulains sont en lice, je peux difficilement refuser. Et Hjalmar en vrai. Je n'en attendais pas moins de vous.
Eh bien, allons-y. Juste à temps. Ils ont déjà commencé. Aujourd'hui, notre deuil prend fin. Aujourd'hui, par la grâce des dieux et des clans, un nouveau souverain est couronné. Jurons-lui fidélité. Skelly, j'ai choisi. Je sais que vous attendez ce jour depuis longtemps. Nous attaquons Nilfgaard. Ça, tu l'as dit. Franchement, j'aurais préféré battre un con comme Lugos Labeigne. Mais bon, victoire est une victoire. Merci à toi, l'ami. Que comptes-tu faire? Lever le banc et frapper le Nilfgaard? On va tomber sur les escadrons noirs par la mer et les réduire en bouillie. Les survivants détaleront la queue entre les jambes jusqu'à leur sud chéri. Prends soin de toi, Hjalmar. J'avais peur que vous refusiez de vous adresser la parole après toute cette histoire. Qui? Hjalmar et moi? Vous plaisantez? Votre rivalité n'était pas feinte. C'est vrai. Mais Hjalmar est mon frère avant tout. Le même sang coule dans mes veines. Vous n'êtes pas déçu d'avoir perdu? Je préférerais être à la place de mon frère, naturellement. Mais il est fort et charismatique. Le peuple le suivra. Et puis, si jamais sa tête venait à enfler, mon père aurait vite fait de le ramener sur Terre, soyez-en sûrs. Félicitez-le pour moi. Je n'y manquerai pas. Alors, vous devez être fier, non? C'est peu de le dire, loup blanc. Dites-moi quel autre Jarl peut se vanter d'avoir des enfants comme les miens. Ah, quel dommage que leur mère ne puisse pas voir ça. Si vous parvenez à tempérer son caractère, Hjalmar fera un excellent roi. Tout dépend de ce qui va arriver. Son impétueuse jeunesse est derrière lui, mais s'il décide de se lancer dans une guerre contre Nilfgaard, il pourra compter sur ma lame. Chose bien rare. Vous m'avez appelé? Oui. Mère Nature m'a doté d'une voix puissante, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. L'un des nôtres, Egil, est devenu muet. Ni nos sorts, ni nos potions n'ont pu lui rendre la parole. Mais une émotion forte pourrait peut-être remédier au problème. Accepteriez-vous de... Vous seriez payé, bien sûr. Je vous donnerai une carte de Gwynt rare. Je veux bien essayer, oui. Mais je ne comprends pas bien. Vous voulez que... je lui fasse peur? Oui. C'est exactement ça. Ce sera parfait. La peur, la colère, n'importe quelle émotion forte fera l'affaire. Mais surtout, ne lui faites pas. Vous trouverez Egil près du chêne sacré. Le pauvre doit être en train de prier pour retrouver sa voix. Thérapie de choc.
Ah ouais, il faut faire parallèle de Dorit qui a fait vœu de ne pas ouvrir la bouche. Dorit taciturne. Fer blanc. Ça devrait faire un boucan de tous les diables. Je vais attendre qu'il s'endorme. Foutez-moi la paix, bon sang. Vous... Oh non. Non, votre silence. Tout ça pour rien. 3 ans. 3 ans sans dire le moindre mot. Je on l'a rendu fou. Vous êtes content de vous ? Je croyais bien faire. Ah, ça, c'est une réussite sur toute la ligne. Hors de ma vue, imbécile. Félicitations, sorceleur. Je l'ai entendu hurler d'ici. Voici votre récompense. Comme promis. C'est beau de voir un vieux druide à la barbe fournie garder son âme d'enfant. Bonne chance à vous. Non, je vais pas aller tout de suite ici. Je vais faire quelques contrats en vrai, comme ça au niveau 27. J'améliore l'armure. Remonte comme du pourri, mais en pire. Là-dessus, les muires d'Ieblen chavirent le bateau. Je sais même pas comment j'ai réussi à gagner la rive. Freya a dû veiller sur moi. Ça, ou les monstres étaient rassasiés. Merci pour le récit. C'est vous, Dove. On m'a dit que les noyeurs ont tué votre mari. On vous a pas menti. D'abord, la mère me prend mon fils. Maintenant, mon homme. Reste plus que moi. Gwil, notre fils, il est jamais revenu de la pêche.
Mon homme, il allait chaque matin sur les hauts de Kirak pour guetter son bateau. J'y ai dit qu'il ne le ramènerait pas à la vie, qu'il risquait d'y passer aussi. On était au courant pour les noyeurs. Il voulait rien savoir. Il passait son vieux manteau et zou. Un soir, il n'est pas rentré à la maison. J'ai rameuté mon frère, pris une torche et on est parti à sa recherche. Les murs d'Yéblen, les bêtes marines, l'avaient si salement amoché que sans le manteau, je l'aurais point reconnu. C'est un bien maigre réconfort, je sais, mais le problème des noyeurs sera bientôt résolu. J'en fais le serment. Au revoir. À quel endroit on a vu les noyeurs à l'aide de sens de sorceleur? Nous servons celle qui est. C'est bien, Ablette. Cette puanteur. Aucun doute, des noyeurs. Leur tanière n'est plus très loin. Vase et viande pourrie. Faut que je prenne la phéromone de noyeur là. Allez, un bain de sang. Le repère d'un monstre. Mais ce n'est certainement pas un noyeur.
presque intacte. Gardée en réserve. Les noyeurs ne font pas ça. Ekimo sur le cou, la rane s'écrasait. Étranglée. Ekimo sur le cou, la rane s'écrasait. Étranglée. Débris de bateau, voiles déchirées, filets. Un décor de pêche, pour ainsi dire. La puanteur. Les marques sur les cadavres. C'est certainement le repère d'une guenaude aquatique. Avec son flair, elle ne reviendra pas si elle renifle ma présence. À moins que... comme elle cohabite avec des noyeurs, un extrait de leur glande permettrait de masquer mon odeur. Quand je l'ai pris là, la potion, mais ça a rien fait là. Non, c'était phéromone des noyeurs ou c'était autre chose? Préparer une potion avec des fois assistants. Normalement, c'est bon là. Elle est mort instantanée. Il y avait une autre entrée là.
Ah mais c'est là où le bateau s'est échoué. Donc ça se fait qu'il y a autant de noyeurs. J'avais repris les 1000 pièces ou pas? Apparemment, il y avait 1000 pièces d'or là sur lui. Ouais, c'est bon, je les ai repris. Mission accomplie. Voici la preuve. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une bête? Mais c'est quoi cette horreur? Une guenaude aquatique, vieille et rusée. C'était elle, la menace. J'ai vu mon lot de saleté dans ma chaîne de vie. Murène, lamproie, l'autre. Mais rien d'aussi affreux. Tiens, une prime bien méritée, sorceleur. Ça oui. Je mérite plus. Une guenaude aquatique, c'est autrement plus dangereux qu'une poignée de noyeurs. Je dis pas le contraire, mais ma bourse n'est pas sans fond. La mer non plus. Ce ne sont pas les sales bestioles qui manquent au fond. Tu pourrais bientôt avoir besoin de mes services, et je ne risque pas ma peau pour des pingres. C'est limite du chantage, hein? Très bien. Voilà tout ce que j'ai. Étouffe-toi avec. Voilà, donne tout. Des marins de mer. Il a essayé de m'arnaquer, bordel. Voilà, 375 couronnes. Au cœur de la forêt.
On y va. Hola. Bien le bonjour. Vous êtes en veine. Le drakkar d'Ejlof et prend le feu vient d'accoster. J'ai refait mes stocks. Faites donc voir ce que cet Ejlof a ramené. La mort venue du ciel. Adieu. Nous avons offensé l'esprit de la forêt, Sven, et il crie vengeance. Il nous rappelle que nous avons tourné le dos à nos traditions. Offensé ? Offensé ? Ce monstre a déjà tué 5 des nôtres. Il s'en fout pas mal des traditions. C'est rien d'autre qu'une bête assoiffée de sang, voilà tout. Il lui a ouvert la cage thoracique. Sacrée bestiole, votre esprit. Ah oui ? Et qui êtes-vous ? Geralt, je suis sorceleur. Une épée à louer ? Que venez-vous faire ici ? J'ai vu votre annonce. Quelle annonce ? Vous êtes dans un village d'honnêtes gens. Vous ne trouverez pas de travail ici. Vous en êtes sûr ? La bête qui a fait ça possède une force hors du commun. Je peux vous aider, si vous y mettez le prix. Il me plaît, cet homme-là. Faites votre métier, sorceleur. Votre prix sera le nôtre. Qui est cet esprit de la forêt ? Je vais vous dire. Cela ne vous regarde pas, étranger. C'est une bête sauvage. Il tue quiconque s'aventure sur son territoire. C'est précis, cette description. Il ressemble à quoi, cet esprit ? Quelqu'un l'a déjà vu ? Tous ceux qui l'ont vu sont morts. Me voilà bien avancé. Les oiseaux ont dévoré ses entrailles. Et là, vous voyez ? Des marques de croix. Le monstre tue toujours de cette manière ? Uniquement les lâches. Les vrais guerriers, les prédateurs dans l'âme. L'esprit leur accorde une mort honorable. Vous dites qu'il s'agit d'une vengeance. Comment ça ? Pourquoi ? Nos ancêtres chassaient avec une lance et un couteau. L'esprit de la forêt était content. Il nous laissait vivre en paix. Nous ne connaissions pas la fin. Il nous tuait déjà. Il a toujours tué. Combien de garçons sont morts en voulant devenir chasseurs ? Et maintenant que nos chasseurs sont morts à la guerre, il est plus violent que jamais. Nous sommes le clan Ancret. Ce que les autres achètent avec de l'or, nous l'achetons avec notre sang. Nous sommes esclaves des peurs transmises par des crétins comme toi. Ces bois nous appartiennent. Il est grand temps d'en finir. J'en ai assez entendu. Vous avez un problème, c'est certain. Et vous n'avez pas l'air de vouloir le résoudre. Oh que si, croyez-moi. Venez me voir. On se mettra d'accord sur un prix. Une petite discussion au-dessus d'un cadavre, c'est loin d'être suffisant. Je veux d'abord explorer les environs pour savoir à quoi je me frotte. Ne vous emballez pas, tueur. Il n'est pas trop tard pour revenir aux anciennes traditions. Je vais voir ce que je vais faire. Mais commencez déjà à réunir l'argent au cas où.
paix, sorcier. Les légendes. Une piste. Je me demande où elle mène. De profondes estafilades, comme faites par un rasoir. Palais, bordel. Des os broyés. Face à une pareille force, inutile de tenter de parer les coups. Il s'est fait les griffes ou a marqué son territoire. Un léchène, un mâle, très âgé. Bon sang, il a sûrement marqué l'un des villageois. J'ai 4 points là. Ah, j'aurais pu prendre le saignement aussi là.
reste une tache sur la manche. Je me suis trompé sur votre pouce. Frotte pas assez fort. Continue comme ça. Et tu vas voir si je frotte pas assez fort. T'as été mordu par un loup-garou ou quoi? Je te donne un conseil. Pas la peine de te. Par pitié, cesse de m'accabler avec cette satanée toux. Encore de la bouillie. Un peu de viande de temps en temps, ça serait pas de moisi. Tu t'es faite belle pour moi, je serai prêtresse pour toi, quand je serai grande. Ou pour un autre, je veux peut-être. Pas d'un mari pion. Passe me voir plus tard. Je suis allé faire un tour dans les bois. Une chose est sûre. Votre esprit sait comment impressionner les intrus. Je vous l'ai dit, il aime tuer. Je suis à peu près sûr qu'il s'agit d'un très vieux Léchaine. C'est une bête ordinaire, alors. C'est bien ce que je pensais. Ce monstre n'a rien d'ordinaire, c'est une sérieuse menace pour le village. Et pour moi, si vous décidez de m'engager. Oh, ne vous en faites pas. On va vous trouver de l'or. Il y a juste un léger problème. Le Léchaine a posé sa marque sur l'un d'entre vous. Tant que cette personne vivra près de son domaine, il ne pourra pas mourir définitivement. Tôt ou tard, il renaîtra. C'est sûrement l'un des anciens. Vous avez entendu Harald? Ça ne peut être que lui. Ça ne veut rien dire. Je dois trouver la marque par moi-même. Vous êtes un étranger, personne ne va vous croire. Écoutez, je vais vous dire. Trouvez la personne marquée et je me chargerai du reste. Je devrais utiliser mes sens pour trouver la personne marquée par l'esprit de la forêt. Un tueur de monstres. Celle qui est la Vierge. Je Sven va venir aujourd'hui? Bien sûr qu'il va venir. J'ai vu comment il te regarde. Mais le grappin de Sion. Merde. Le laisse pas. Le Léchaine a choisi la fille. Je dénoncerai le mal où qu'il se trouve. Et d'accord. Ça veut déjà combien de temps? Je serai prêtresse quand je serai grande. Je veux pas d'un mari pion. Alors, vous avez trouvé le complice du monstre? La personne marquée n'en a même pas conscience, vous savez. Oh, vous ne connaissez pas les anciens du village. Ces vieillards vendraient femmes et enfants pour satisfaire le monstre. De toute façon, vous l'avez dit vous-même, le porteur de la marque doit mourir. Inutile d'en arriver là. Si vous exilez définitivement la personne marquée, le Léchaine ne pourra jamais renaître. Vous avez entendu le sorceleur? Bannissons les anciens et le village retrouvera la paix. C'est Hilde qui porte la marque du Léchaine. Hilde? Tu l'as dit toi-même, Sven. Il faut la bannir. Mais c'est une des nôtres. C'est pour le bien du village, Sven. Bien, qu'elle parte. Faites-lui bien comprendre qu'elle ne doit jamais revenir. Vous allez la laisser partir seule? Je croyais que vous teniez à elle. Occupez-vous de vos oignons, ça vous regarde pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Le territoire du Léchaine commence ici. Il doit détruire tous les totems avant de l'affronter. Ok, let's go. Totem 1.
Pas n'importe lequel celui-là. Pourquoi ça changerait sous le règne? Hé, regardez! Je vous avais bien dit que le sorceleur réussirait. Que s'est-il passé? Vous avez éliminé la bête. Nous avons éliminé ses complices. Vous en faites pas. Notre accord tient toujours. Vous avez bien mérité votre salaire. Querelles de paysans ne m'intéressent pas. Très juste. Vous n'êtes pas d'ici, vous ne pouvez pas comprendre. Quoi ? Qu'est-ce que vous regardez ? Justice est faite, rentrez chez vous. Quant à vous, sorceleur, vous pouvez partir. Nous n'avons plus besoin de vous. Oh ! Non mais... 60 couronnes seulement ? Mais je parie que ce sont surtout les lames qui vous intéressent. Très bien. Montrez-moi ce que vous avez. Adieu. Bon vent. Et belle traversée à vous. Bon, il est temps de poser en vrai. Petite sauvegarde. Épisode Terminares. Oh, ciao.